Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire culture religieuse. Donc, bon ramadan à toutes et à tous. Et bien sûr, pendant cette édition, on va parler un peu plus des mérites des derniers jours de ce mois béni du ramadan. Comment notre prophète a passé ces jours distingués. Et quelles sont, bien sûr, les sunnas ou les habitudes que notre prophète, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a essayé d'effectuer pendant ces journées, ou ces jours même, la retraite pieuse dans la mosquée, quels sont les jugements, pour, les habitudes, les actes pour cette culte. La nuit du destin, ses bienfaits et ses bénédictions encore. Quelles sont ces bénédictions? Quels sont les mérites dont dispose cette nuit tout à fait distinguée au sein de l'islam, bien sûr. Tout ça, ou toutes ces questions à côté d'autres questions concernant la zakat, de rupture de jeûne de ramadan et le jeûne après le mois du ramadan, pendant le mois de Shawwal. Toutes ces questions, on va bien sûr proposer à notre invité de marque, Cheikh Al-Husseini Fahmi Salim, un membre très éminent au sein du Centre mondial de l'Égypte, de l'Azhar, pour la fatwa. Vous êtes le bienvenu sur l'Altema International. Merci beaucoup, monsieur. Bon ramadan. Bon, à vous aussi. Merci beaucoup pour votre présence ici au studio de NAL TV International. Et pour commencer cette édition, permettez-moi de vous proposer cette question très importante. Nous sommes, bien sûr, au cours de ce mois béni du Ramadan, il y a, bien sûr, tout à fait des jours très distingués, des nuits très distinguées, notamment les 10 derniers jours de ce mois béni de Ramadan. Pourquoi ils sont très importants? Tout d'abord, je voudrais vous saluer par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Puis, je veux dire que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi quelques jours au fil de le temps pour sacrifier de quelques dons, de quelques cadeaux, de quelques bénédictions. Bien sûr, y compris les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ar-Ramadan, awwaluhu rahma, wa awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itqu min an-nar. » C'est-à-dire que le mois de Ramadan, au début, il y a la miséricorde. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala miséricorde pour tous les musulmans. Aussi, au milieu du mois de Ramadan, c'est la maghfira, c'est l'abolition. L'abolition de quoi? L'abolition de du péché, du manquement qui peut être accompli pendant toute l'année. Ouais. Aussi, à la fin du mois de Ramadan, il y a les 10 derniers jours, et très important, c'est l'affranchissement de l'enfer. Pour acquérir la satisfaction, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avait l'habitude pour passer ces derniers jours pour l'acte d'adoration, pour la lecture du Coran, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Aïcha radiallahu anha, la mère de Corion, elle dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qaqbala l'arsh al-awakhir shadda mi'zara. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il atteignait les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il s'y serrait la ceinture. La ceinture, c'est-à-dire ici, pour faire allusion au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait de ses femmes. C'est-à-dire pourquoi? Pour le but, dans le but de pour multiplier les actes d'adoration, pour augmenter son approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être en proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait quoi? Veillait la nuit. Ahya layla. Ahya layla, c'est-à-dire ici, par la prière, par la lecture du Coran,
par la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'istighfar. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réveillé ses proches, réveillé ses femmes pour se consacrer totalement pour destiner tout le temps pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme musulmans, nous sommes ordonnés de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple pour suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour acquérir, pour breveter d'aussi dernier jour très important qui constitue une occasion carcielle, une occasion très importante pour gagner la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner l'abolition des péchés. Pour se rapprocher de plus en plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pendant ce mois béni, ou pendant ces 10 derniers jours de ce mois béni du Ramadan, il y avait quelques actes distingués effectués par le grand prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, plus que les 20 jours qui ont passé pendant ce mois de Ramadan. On va savoir un peu plus d'informations à propos de ça, mais juste un moment après ce petit reportage. Parmi les temps qu'Allah glorieux et majestueux a spécifié en leur octroyant plus de faveurs et des dons abondants, le mois béni de Ramadan, qu'Allah purifié et exalté soit-il, a favorisé aux autres mois, ainsi que les 10 dernières nuits de Ramadan qu'il a favorisé par rapport aux autres nuits, de même que la nuit du destin, qu'Allah a rendu meilleure que 1000 mois du fait de la grande valeur et de la grande place qu'elle a pour lui. Dieu nous a caché la date précise de cette nuit pour nous pousser à déployer les efforts durant tout le mois du Ramadan et de redoubler de ferveur pendant les 10 dernières nuits. De même qu'il nous a caché le moment durant lequel Dieu exauce les implorations le vendredi pour que nous l'implorions toute la journée. C'est probablement pour cette raison que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « C'est peut-être un bien pour vous ». Durant cette nuit bénie et sacrée, beaucoup d'anges descendent, car c'est une nuit renfermant beaucoup de bénédictions et d'immenses bienfaits. D'une manière générale, les anges descendent en même temps que la bénédiction, le bien et la miséricorde, tout comme ils descendent au moment de la récitation du Coran et pour les assises de rappel, elle est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire qu'il n'y a que du bien durant cette nuit, il n'y a pas de mal. Jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, chers téléspectateurs, au cours de ces 10 derniers jours du mois du Ramadan, notre grand prophète Mohammed a pris des habitudes tout à fait distinguées pendant ces jours distingués, comme par exemple la retraite pieuse dans la mosquée et la prière pendant le dernier tiers de la nuit, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam caractérise ces derniers jours plusieurs actes d'adoration, y compris la prière. Ouais. Parce que la prière a occupé une place très élevée, et très haut au sein de l'islam. La prière en islam, c'est le lien étroit entre le serviteur et son Dieu. La prière en islam, c'est la première chose sur laquelle le musulman sera demandé compte dans son tombe, dans sa tombe. Si la prière sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc
toute autre des actes d'adoration sera acceptée. Ici, la prière sera refusée ou rejetée ou refusée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le reste de ces adorations sera refusé. C'est pourquoi on peut voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est consacré et caractérise ces jours, ces derniers jours, de quelques sortes des actes d'adoration, y compris la prière. Aussi, il y a aussi ici la retraite pieuse. Mmh. La retraite pieuse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se couper de tous les gens, de toute autre préoccupation que Allah subhanahu wa ta'ala, pour se détacher son cœur, son esprit, ce cœur de la facilité de la vie, de la commodité de la vie, pour destiner tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une pause spirituelle. Oui. Dans la mosquée. Dans la mosquée. C'est comment passer de longtemps dans la mosquée. Oui. Oui. Et la retraite pieuse, c'est-à-dire pour rester un temps dans une mosquée pour se couper ou pour se consacrer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout d'abord, est-ce que la retraite pieuse est une obligatoire? Or, est-il son oratoire. Et la retraite pieuse, il s'agit d'un sonna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autant que musulman, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans les actes, soit dans les actes et les paroles. Et tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était désireux, était vieux, à passer la retraite pieuse dans une mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est préférable de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est préférable de faire l'i'tikaf dans une mosquée en espérant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant l'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner le paradis éternel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a toujours des préparations spéciales, particulières, que le musulman ou chaque musulman doit prendre pour recevoir et pour vivre les bénédictions de 6-10 derniers jours du mois du Ramadan. Bien sûr. Oui. Et ce, parce qu'il y a toujours une nuit tout à fait distinguée. On va savoir plus d'informations, plus de détails à propos de la nuit du destin. Mais justement, après cette petite pause pour vous et cette petite visite à une mosquée monumentale qui se trouve ici dans notre grande capitale, Le Caire. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqilli, fut envoyé par le calife al-Mu'izz al-Din Allah pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, la nuit du destin. Quels sont ses bienfaits? Quelles sont ses bénédictions? C'est notre question à vous, cher Ahmed, cher Husseini Salem.
quelles sont les bénédictions, les mérites, les miracles au cours de cette nuit du destin? La nuit du destin en islam occupe une place très importante. Parce que durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le Coran a été révélé à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un guide, comme des preuves, comme une constitution pour tous les musulmans. Et c'est pourquoi ce nuit est une occasion de très importante pour tous les musulmans pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit par la prière, soit par la lecture du Coran, soit par la demande de pardon. Aussi, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce nuit qu'il est meilleur que mille mois. L'ayat al-Qadr, khayrun min alf shahr. Khayrun min alf shahr, ici, il est meilleur que mille mois. C'est-à-dire que les actes d'adoration accomplis pendant cette nuit, il aura la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala meilleure que les actes d'adoration accomplis dans toute autre nuit que cette nuit. Ouais. D'accord. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ahya laylat al-qadr, man qama laylat al-qadr, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. » Donc, la nuit des destins, c'est une occasion pour effacer, pour pardonner les péchés accomplis dans le passé. Celui qui est prière, celui qui passait la nuit du destin en prière, bien sûr, ses péchés accomplis dans le passé seront pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la nuit du destin est une occasion pour effacer, pour pardonner les péchés. Ouais. Aussi, la nuit du destin est une occasion pour exaucement, pour accepter l'invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, exaucer. عائشة رضي الله عنها دي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عائشة رضي الله عنها كالله لكري دي أبوفت صلى الله عليه وسلم فواتي سيكو جي كوني دان كل نوي إي لا نوي دي ديسان كو دوا جو دير دان سيت نوي الأبوفت صلى الله عليه وسلم لوي دي تو دي أو الله tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, donc oh, alors pardonne-moi. Donc, si vous voulez pardonner de tous tes péchés accomplis ou commis dans l'obscé, tu dois vivre, tu dois passer la nuit de destin. Allah, Allah. Donc, toujours, on parle de l'une des cultes, l'un des piliers de l'islam au cours de ce mois du Ramadan, c'est la zakat. La zakat al-fitr. Oui. La zakat de la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, quel est le but de la zakat? Comment on peut le faire, la faire? Et dans quel temps pendant ce mois béni de Ramadan? Bien sûr, après la fin, à la fin du mois de Ramadan, il y a c'est la zakat du jeûne ou la zakat de rupture, zakat al-fitr ou zakat al-sawm. C'est une quoi? C'est un soutien ou un lien ou une forme de solidarité dans la communauté musulmane, entre les riches et les pauvres. Ouais. Et son objectif pour répandre la joie c'est, dans le cœur du pauvre pendant ce jour, c'est le jour de quoi? Le jour du Eid al-Fitr. Et aussi, quand on peut verser cette zakat, selon les Shafi'ites et les Hanifites, le musulman peut la verser pendant tout le mois de Ramadan. Ouais. Pendant le debout jusqu'à avant la prière d'Eid. D'accord? Mais il rend obligatoire avant la prière du Salat El Eid.
Aussi, il y a différentes entre les, il y a une divergence entre les hommes humains. Est-ce qu'on nettoie la versée on a alimentaire, c'est-à-dire on retire de blé, de orge, de maïs, ou on peut la donner en argent. Ouais. Selon l'école hanafite, seulement le hanafite, il dit qu'on peut la donner en quoi en argent. Pour faciliter aux pauvres pour la profiter. Aussi. Permettez-moi de vous poser cette question. La divergence est tout à fait une. La divergence entre les éléments, la divergence entre les écoles oui, des fatwas oui. et de fiqh, c'est toujours une sorte de miséricorde. Oui. Ces jours-ci, par exemple, on parle d'une crise alimentaire qui frappe le monde entier. Oui. C'est pourquoi on trouve qu'il y a des écoles ou des oulémas qui ont souligné que vous pouvez faire cet acte de zakat à travers l'argent ou même à travers la nourriture. Oui. Et ça, c'est toujours pour chercher l'intérêt de l'individu au sein de la société musulmane, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, dans l'islam, la charia islamique est basée sur la facilité pour éliminer les gens. Les gens, c'est-à-dire l'angoisse, la difficulté, pour éliminer la difficulté dans l'accomplissement des obligatoires, des obligations religieuses. C'est pourquoi, s'il y a une divergence entre les humains, on ne doit que l'objectif derrière cette divergence, c'est la facilité. On peut voir. Et l'intérêt des gens. L'intérêt des gens. Si il est préférable de faire sortir la zakat par argent, c'est pour l'intérêt des gens. Par ou en nourriture, c'est pour l'intérêt des individus. Et ça, bien sûr, selon la différence des temps, oui. la différence des époques, oui. n'est-ce pas? Ah oui. Et il y a une règle religieuse ici. Et on peut la verser pour ceux qui bénéficient. Pour les pauvres. Oui, pour répondre aux besoins, oui, aux besoins des pauvres. Oui. Aux besoins, pour satisfaire les besoins des pauvres. Oui. Si l'argent est plus bénéfique pour les pauvres, on peut la verser en argent. Oui. Si les alimentaires ou la nourriture est plus bénéfique, plus important, plus utile pour les pauvres, on peut la verser en nourriture ou alimentaire. Ouais. Donc il n'y a aucun contraste entre les deux. Ah. Mais toutes les personnes, toutes les écoles, il n'y a pas aucune de contradiction entre les écoles, mais c'est seulement toujours pour répondre aux besoins essentiels de la société ou des individus ou des pauvres au sein de la société musulmane. J'ai ici deux questions. Les pauvres doivent faire sortir la zakat de l'fitr, oui ou non? Et est-ce que nous pouvons donner la zakat aux non-musulmans? Bien sûr, si on voit l'objectif de la zakat en général, l'objectif de la zakat en général, pour solidarité entre les riches, les riches et les pauvres. Donc, les zakat, pour être obligatoire, la personne doit être riche. Mais les pauvres, il a une sorte de méritoire, bénéficiaire de les zakat. Donc, les pauvres ne doivent pas donner les zakat, mais ils peuvent obtenir ces zakat. D'accord? C'est la première chose. C'est ça pour le monde. C'est pour le monde. La zakat de la rupture de jeûne du Ramadan est imposée sur tous les musulmans, n'est-ce pas? Oui, mais aussi il y a une école de savants dit que le pauvre ne doit pas donner la zakat de rupture. Ouais, mais il est préférable de la verser
pour éviter, pour effacer tout manquement peut-être commis pendant le jeûne du mois de Ramadan. Oui, les pauvres peuvent même, à travers l'intention, peuvent faire sortir la zakat ou l'aumône de la rupture de jeûne du mois de Ramadan plutôt à leurs enfants, à leur famille, à leurs proches. Oui. En islam, la zakat de rupture, la personne doit verser la zakat pour chaque personne qui est sous sa charge. Mm. Sa femme et sa mère ou son père, s'il est responsable de leur substance, ses enfants, toute personne qui est tout et sa charge, elle doit la verser au nom de lui. Ouais. Pour la deuxième question, on peut faire sortir la zakat ou l'aumône aux musulmans ou aux non-musulmans, où ça fait une sorte de différence entre la zakat ou l'aumône de l'argent ou du fonds. Il y a deux sortes de zakat. Mmh. Il y a les zakat obligatoires et les zakat surrogatoires. La zakat du mois de Ramadan, de rupture, c'est la deuxième sorte de zakat. Mmh. On doit donner aux musulmans seulement. Mais il y a autre sorte de charité, c'est surrogatoire. Dans la zakat surrogatoire ou le monde surrogatoire, c'est la charité, on peut donner aux musulmans ou aux non-musulmans. Al-sadaqa. Mm. Mais la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit que la zakat doit verser à 8 catégories mentionnées bien dans la sourate de Al-Tawba, le repentir. Innama sadaqatu al-fuqara'i wal-masakin wal-amilin alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi al-riqab wal-gharimin wa fi sabilillah wa ibn al-sabil. D'accord. Et les non-musulmans ne constituent pas ces éléments. Mais pour le non-musulman, par exemple, il y a d'autres versets. Oui, les charités. La charité. Oui. Je dois encore une fois vous remercier pour de telles informations tout à fait précieuses. Justement, avant de clôturer cette édition, je dois vous présenter avec nos chers téléspectateurs des invocations. Et en même temps, après ça, on va vous poser une question très importante à propos de jeûne après le mois du Ramadan. Donc, nous pouvons arriver maintenant aux invocations. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Donc, chers téléspectateurs, il y a toujours des recommandations avant de se séparer de ce mois béni du Ramadan. Pour l'après-Ramadan, qu'est-ce que nous devons faire selon la sunna de notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, notamment pendant le mois de Shawwal. Qu'est-ce que nous devons faire? Bien sûr, après, à la fin du mois de Ramadan, il y a un hadith très important de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Man sama Ramadan, summa atba'hu bi sittin min Shaban, kana kaman sama ad-dahr kullah. » Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « C'est lui qui jeûne le mois de Ramadan, et puis l'eau fait suivre par six jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. »
Donc, il est sonné du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre le mois de Ramadan, d'où jeûne déjeuner de 6 jours du mois de Shawwal pour gagner, pour obtenir la récompense d'où jeûner toute l'année. Toute l'année. Ouais. Et c'est important pour qu'il ait le signe d'acceptation. Le jeûne, l'acceptation des actes, les actes d'adoration. Ah. C'est la continuité. Continuité, c'est l'estimrarie. Je finis le jeûne du mois de Ramadan et après cela, j'ai continué mes surrogatoires, en application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour jeûner 6 jours du mois de Shawwal pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner la récompense réservée par Allah subhanahu wa ta'ala pendant toute l'année. Notre grand imam, l'éminent membre au sein du centre d'Al-Azhar pour la fatwa, Cheikh Al-Husseini Fahmi Salim. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements, pour de telles explications de votre part à propos du mois de Ramadan. Merci. Merci à vous, monsieur. Donc, bon ramadan à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.